Et nous nous retrouvons pour la fin de l'étape 3 de l'Open Tour. Si un jour les changements se finissent. Dire à Cocker d'attaquer. Ok, je vais attaquer. Donc nous allons essayer de faire un petit truc avec Cocker en fin d'étape. Même si les deux prennent des points à la montagne. Ah, attendez ça, prenez des points. Une petite souris l'a calé. Souris l'a calé. Nous allons donc collaborer. L'échappée est maintenant en ligne de mire pour le peloton. Les chances pour qu'elle résiste aux équipes de sprinteurs sont infimes. Voilà, donc nous allons faire une fin d'étape. Attends, est-ce qu'on peut préparer le sprint pour Cocker? Préparer le sprint. C'est un peu dans l'échappée. Bien fait passer le maillot jaune dans l'échappée, on a réussi à prendre un point à la montagne. Peut-être ce qui nous permettra de garder le maillot vert. Pouvons-nous garder le maillot vert? Cocker, on a 14 secondes d'avance, donc 3 points. Si j'en perds pas, on ne prend pas le maillot vert. Mais on peut espérer ne pas trop prendre de points de retard. 5 km, attention, ça se prépare, on prépare le sprint les gars, on prépare le sprint pour Cocker les gars. La route est large, le peloton. Les équipiers des sprinteurs ont parfaitement géré cette étape. À 5 km du but, le peloton est groupé et tout est en place désormais pour un sprint massif. On prépare le sprint pour Cocker. Voilà, on va reprendre du bleu. On va reprendre du bleu. On va reprendre du bleu. Les sprinteurs sont prêts à en découdre. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. On arrive à une troisième étape. J'ai envie de sauvegarder. Vida, on est sur l'eau, il va essayer de garder le maillot vert. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Allez Mochili, Mochili, allez Mochili, allez Mochili, oui, c'est la victoire d'étape. On a gardé le maillot jaune avec Cocker, oui, Cocker a gardé le maillot jaune. Cocker a gardé le maillot jaune et Mochili qui est quand même pas mal classé, je pense. Mochili devait terminer dans les 20 premiers de l'étape, il a l'air d'être dans les 4-5 là. On aura une bonne forme de récupération. Applaudissez-le bien fort. Voilà. Vainqueur d'étape, maillot jaune. Il a gardé quoi?
Brian Peters, 164 points, si je ne me trompe pas. La question de la montagne, on va l'avoir perdu. Et normalement, le maillot vert, on l'a pas perdu, mais on est égalité avec le deuxième. Vu que c'est lui qui a pris le plus gros coup. Quoi? What? Ah oui, lui, il a pas dû marquer le point qu'il lui fallait. Yes, c'est le maillot à poids. Toi, tu vas le perdre avec ma doigt dans la montagne. Le maillot vert, Garcia. Cardinal, Cardinal. Un bon dernier 20 km, sérieux. C'était joli. Heureusement que l'autre, il a doublé souris sur la vie. Il lui a pris son point. Bravo les gars, félicitations à vous. Non mais maillot jaune dans l'échappée. Vous avez réussi à battre les favoris. Cocard, 22 secondes d'avance sur Nicolo. Madouar, à combien pour que tu prennes les points dans la montagne? Ça va trop loin. Ouais, 3 points, égalité avec Stéphane Zer. Cocard, 170 points, il rattrape je pense. Maillot blanc, on est à 6 secondes avec Madouar. Peu deuxième maillot blanc. Bon bah voilà, c'est cette étape que je visais pour prendre le jardin de Madouas. Bien sûr, on va faire partie dans le chapitre. Bonjour pro. Madouas.